période des fêtes est certainement le plus beau moment d'amitié et de fraternité. Les divers préparatifs associés aux festivités de Noël et du Nouvel An favorisent le partage de temps en famille et entre amis. Les fêtes doivent être à l'occasion de témoigner notre solidarité. Je vous invite à avoir une pensée toute spéciale pour les personnes qui doivent vivre cette période malheureusement dans la solitude. Nous devons conjuguer nos efforts afin de renforcer, même par de tout petits gestes, nos valeurs de partage, de solidarité et de fraternité. Je voudrais également avoir une pensée pour ceux qui, en 2018, nous ont quittés, pour leurs proches et plus largement pour toutes celles et ceux qui ont eu à affronter l'épreuve de la maladie. L'année 2018 a été pour moi une année riche de rencontres et de découvertes. Comme vous le savez, je suis une élue de terrain, à l'écoute, disponible et proche de nos maires et de nos concitoyens. Mes journées de travail, je les partage avec la députation et depuis le 1er décembre à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis je n'oublie pas mon mandat d'adjointe à Sury-Cantal. C'est une responsabilité et un honneur. Ça n'est pas une récompense, ça n'est pas un métier, ni un prétexte à quelconque vanité. Ce mandat, c'est une confiance reçue, comme le reste d'ailleurs, et qui impose une réelle exigence morale, celle qui consiste à changer le cours des choses, sans se résigner, sans jamais s'installer dans le confort douillet d'une fonction, et enfin, sans jamais perdre de vue que tout peut s'arrêter demain. Cela demande une bonne organisation, mais nous avons une équipe de collaborateurs formidables qui nous aide dans cette tâche. Je suis née à Saint-Just-à-Rambert, je vis dans ma circonscription et j'aime mon territoire. Aussi, permettez-moi, bien entendu, de vous souhaiter, à vous et à vos proches, la santé, l'amour et la concrétisation de vos projets comme de vos rêves. Mais permettez-moi aussi de vous souhaiter d'être les acteurs utiles de ce monde, quel que soit votre rang ou votre position sociale. Car là est la seule quête qui nous importe. Vivre en paix, dans une société plus juste et servir l'intérêt général pour léguer à nos enfants un monde d'espoir, tout simplement un monde de liberté, d'égalité et de fraternité. Belle année 2019 à toutes et tous.